Salut! Il est où notre ballon? Qui est-ce qui est là? Hey! Tout le monde est là! Hey! Salut! Bonjour! Bonjour, bonjour! C'est pour un meilleur respect de la nature. J'aimerais sensibiliser aussi mes enfants parce que voilà, le climat c'est très très important et on a vu que actuellement, malheureusement avec les catastrophes naturelles, certains pays qui n'ont pas accès à l'eau potable et ce qui s'est passé aussi en juin dernier ici même en Belgique, il y a vraiment du boulot à faire. Par rapport à l'Afrique, c'est vraiment l'accessibilité à l'eau potable et aussi le réchauffement climatique. Je pense que le dérèglement climatique, c'est une question de justice sociale. Donc il faut évidemment pouvoir inclure l'aspect international autour de ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est pas seulement ici avec des revendications belges, mais aussi des revendications internationales. On est ici à côté de jeunes activistes aussi pour le climat qui viennent des Philippines, qui viennent de différents endroits de Chine, de différents endroits du monde, qui vivent déjà les conséquences climatiques. Et c'est possible que ça se passe aussi déjà. Ça se passe aussi déjà en Afrique. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important de pouvoir lier ces combats et de réaliser qu'on peut le faire ensemble. Et aujourd'hui, avec cette marche, on marche aussi pour eux. Voilà, Mitzi, this is a little message to maybe explain why you're here today and maybe why is it important for like an activist from the Philippines to come and march in Belgium. Yeah, it's so important that we approach this global problem of the climate crisis as a global movement. And it's so important that we connect across the world and show solidarity, especially with countries like the Philippines that are so vulnerable to the climate crisis. So I grew up just seeing the typhoons and being ravaged by the storms and sometimes having no electricity because of the climate impacts. And that's what we're here today, calling for the end of this climate crisis. And it starts with global north countries really drastically reducing carbon dioxide emissions. That's why I'm here today. That's why we're all here today. ne séparons pas les différentes luttes auxquelles on fait face aujourd'hui. C'est tout en même combat et c'est surtout en monde à changer. Le groupe 95 d'Odergem. Alors, pourquoi c'est important d'être là aujourd'hui? Parce que c'est un combat important, le climat, je pense aussi. Il y a des populations qui sont beaucoup plus en danger que d'autres et il faut vraiment les protéger. Alors, comment se passe le groupe local? Est-ce que là, ils sont sensibilisés et pas assez? Oui, tout le monde est sensibilisé dans le groupe local, il n'y a pas de souci. Un message pour les jeunes alors? Eh bien, battez-vous, allez-y, on y va, on va tous se battre ensemble, c'est parfait. Christine. Merci. Le climat, la température, tous les problèmes avec l'eau, moins de pollution. Oui. Amnesty a son rôle à jouer en Belgique et dans le monde. C'est le prénom, hein? Philippe. Goedendag. Hallo. Het is heel belangrijk deze dag. Ja, absoluut. We moeten er allemaal voor gaan, zodanig dat de klimaatopwarming zou beperkt worden. Niet tegenstaande dat het al vrij gevaarlijk is op dit ogenblik, maar goed, ja, we moeten er ons voor inzetten. Ah, het is ook een kwestie van mensenrechten, hè, want het zijn juist de armsten die eronder zullen lijden. Hè. Dus vandaar dat de Amnesty er zich ook moet voor inzetten. En een woord voor de jonge generatie? Ah, het is voor hun dat we het eigenlijk allemaal doen, hè, want het zijn zij die ooit het slachtoffer er zullen van zijn. Hè. Dus zij moeten er zeker mee lopen. Hè. Dank u wel. Ja. Frans van den Broek. Oh, les gars, on crée les barres à Singa. Ok, tout le monde.
C'est méga important. C'est important. C'est important d'être là. Parce que, comme le dit plein de fois, le climat est en train de s'effondrer. Et si on n'agit pas, on va bientôt mourir et ça va bientôt être la fin du monde. Et vu qu'on est les générations futures, il faut vraiment qu'on commence à s'activer. Parce que si on continue comme ça pendant 10-20 ans, ça va pas aller. Ouais, voilà. Autocollants. Oui. Alors, je pense qu'on a un peu trop fait, mais c'est pas grave. Mais je sais pas expliquer. Elle est très investie. Ouais, je suis très très investie. C'est quoi ton prénom ? Charlotte. Et toi ? Lucie. Quelqu'un d'autre veut parler encore ? Les gars, faut qu'on fasse le cri des parents. Bonjour, nous ici on est avec nos animés. Donc, moi je suis animateur pour les guides dans le Brabant Wallon. Et on trouvait ça important de les impliquer avec nous et de leur faire voir cette vision du futur qu'on aimerait qu'il soit un peu plus verte et un peu plus décarbonée. Voilà. Donc voilà, je vous remercie. Parce qu'il faut être plus chaud que le climat. Alors, un message aussi parce que Amnesty est là aussi, donc pour les groupes locaux. Parce que le respect des droits humains, c'est lié au respect des droits humains par rapport au climat. Ça se passe super bien, on est nombreux, on a plein de choses à dire, plein de choses à revendiquer. On est avec Amnesty, on veut mettre les droits humains au cœur de ce combat pour le changement contre le changement climatique. Et on espère qu'il y a de plus en plus de monde qui va nous rejoindre. On espère qu'on va être entendu et que nos responsables vont prendre leurs responsabilités suite à cette démonstration de force. Donc voilà, signez la pétition pour responsabiliser nos gouvernants, la pétition sur le site d'Amnesty BE. Rejoignez-nous, venez marcher, crier, parler, chanter, mais faites quelque chose. Alors, français ou néerlandais? Néerlandais. Alors, waarom is het belangrijk? Voor onze toekomst, hè. En niet alleen voor die van ons, maar voor alle mensen die naar ons komen ook. Denkt u de petitie, het is weer belangrijk ook voor onze gouvernement? Ah ja, natuurlijk. Ja, dat geeft een teken dat er veel mensen achter staan en hebben ze zwart op wit een reden om er iets aan te doen nog, hè. Dank u wel, de naam? Lucas. Hallo. Alors, tu es toujours... Est-ce que c'est important cette pétition? Est-ce que tu as reçu beaucoup de signatures? Oui, j'ai reçu beaucoup de signatures, surtout de toi qui en apporte toutes les semaines. Et sinon, on reçoit régulièrement des par courrier des signatures. Donc ouais. Hello. Alors, pourquoi c'est important d'être ici aujourd'hui? C'est très important parce que, en tant que grand-père... Au moins, les petits-enfants sont en danger, imminent, et c'est ma place d'être ici, absolument. Alors, pourquoi ces couleurs ? Couleur de ça ? Oui, c'est mon pays d'origine, la République de Guinée-Conakry. Et il y a aussi beaucoup de dégradation de l'environnement dans mon pays. C'est pour cela que je suis venu. Les multinationales sont beaucoup pour l'extraction des mines dans mon pays. C'est pour cela que je suis venu vraiment soutenir la journée du climat pour interpeller les décideurs du monde, pour comprendre que vraiment le monde va mal actuellement. Alors on a changé de dirigeant, on va dire, en Guinée. Est-ce que tu penses que la jeunesse va être appelée justement au changement? Oui, j'espère bien. Le nouveau président même a fait l'appel aux diasporas et à la jeunesse de venir donner un coup de main dans notre pays. Merci. Merci bien. Ton prénom? Mon nom, c'est Kondé Foudé Bangali.
Ben, c'est hyper important parce qu'on le dit dans tous les médias depuis des années que le climat, c'est le plus important. J'étais déjà là en décembre 2018, hein, parce que effectivement le rapport du GIEC, enfin ça fait dizaines d'années que les politiciens ne prennent pas de décision, c'est ça qui est terrible, quoi. Ils attendent que les autres avancent pour avancer, alors que c'est primordial. On l'a bien vu cet été avec les inondations, les incendies partout, le dôme de chaleur au Canada. Voilà, les politiques doivent bouger. Alors pourquoi c'est important qu'Amnesty soit là aussi, puisque vous portez Amnesty? Ah ben voilà, parce que bon, Amnesty défend aussi le droit et la vie de ceux qui sont victimes. Bon, bien sûr, pas uniquement du climat, mais donc tout ça c'est un ensemble. Tout ça c'est un ensemble. Voilà. Votre prénom? Pardon? Votre prénom? Mary Jane. Merci. Ben, pourquoi c'est important d'être ici, en tous les cas pour les jeunes? On montre à tout le monde qu'on est partant et qu'on est chaud de tout changer et que tout le monde est investi. Et c'est pour Alors, ça que... pour toi, c'est important aussi qu'Amnesty rejoigne la lutte pour le climat? Oui, très important. Je pense que toutes les grosses organisations comme Amnesty doivent aussi montrer qu'elles sont partantes et qu'elles sont là aussi pour changer les choses, pas que pour les droits humains, mais aussi pour la planète. La bouée, pourquoi la bouée? Je suis verviétois et maintenant je ne descends plus en ville sans ma bouée depuis le 15 juillet. Alors un message pour ce gouvernement ou pour la jeunesse? Oui, il faut se bouger, il est temps. Alors effectivement, c'est un moment extrêmement important pour tous les militants des droits humains, du changement écologique, de la lutte contre la pauvreté. Nous nous retrouvons tous ici autour des mêmes arguments. En fait, le droit au climat est un droit à la dignité humaine et nous en avons tous besoin, nous avons tous droit à avoir accès, à profiter d'un climat qui nous permet de vivre dignement. Ça, c'est extrêmement important et qui, autant de monde aujourd'hui dans les rues, ne fait que rappeler à nos politiciens, et pas seulement à eux, à tous ceux qui doivent prendre des décisions en la matière, que c'est vraiment une préoccupation fondamentale et qu'on ne peut pas laisser sur le côté. Ce n'est pas un gadget que l'on sort quand on a besoin de faire des voix au moment des élections. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de voir que ce mouvement est porté par des jeunes. C'est souvent comme ça, mais là, c'est très, très visible, très fort, et on ne peut que se réjouir de voir autant de jeunes présents et qui ont tenu à organiser cette activité aujourd'hui. Nous avons rejoint évidemment le mouvement. Il y a beaucoup de jeunes Amnesty qui sont là aussi et ça fait du bien de voir ça. Aujourd'hui, nous avons déposé 15 000 signatures d'une pétition qui était adressée au ministre du Climat, au ministre de l'Environnement, des régions et aussi au niveau fédéral pour leur dire, eh bien écoutez, maintenant, on n'a plus le temps de trop passer du temps à réfléchir. Il faut s'y mettre, il faut changer les choses et il y a toute une série de mesures qui doivent être prises en urgence, sans quoi nous allons le payer cher et vilain et jusqu'à la fin de l'humanité.
Kom eens terug. Ja. Dankjewel. Plus chaud que le climat, plus chaud.